vous êtes tous en forme, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui va parler du lait. Je vais vous faire également plusieurs vidéos parce que sinon ça va être trop long. Parce que dans le lait, cette partie-là va parler que du lait. La prochaine parlera de la crème et la dernière portera sur le beurre. Donc celle-ci, elle sera tout autour du lait. Regardez bien la vidéo jusqu'à la fin parce que vous allez avoir plein de questions et plein d'informations sur le lait qui sont très intéressantes et très importantes en pâtisserie. Et je vous dis à la fin de la vidéo. Elodie, tu peux venir s'il te plaît? Bonjour à toi, dis bonjour à tout le monde. Salut. Merci d'être là. Oui, je suis là parce que j'ai bien voulu être là. Parce qu'à chaque fois, bref. Oui, bref, passons. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui est devant toi s'il te plaît? Je t'ai pas dit de goûter. Désolée, oui, je voulais voir ce que c'était. C'est du lait. Oui, du lait. Tu peux me dire de quel animal exactement? De la vache. Oui, celui-ci, c'est du lait de vache. Mais est-ce que tu peux me dire de quoi est composé le lait? Je sais pas. Réfléchis bien. S'il est liquide, il est composé de quoi? Je sais pas. Il y a peut-être de l'eau, non, dedans? Oui, c'est de l'eau. Est-ce que tu sais quel est le pourcentage, justement? J'en ai aucune idée. Dites-moi en commentaire quel est le pourcentage de l'eau. On continue. Cherche les autres composants. Je me dis que vu que c'est du lait entier, il doit y avoir de la matière grasse, non, dedans? Oui, il y a de la matière grasse ou lipide à l'intérieur. Et est-ce que tu sais quel est son pourcentage? Il y a environ 3,9%. Tu le savais? Est-ce que tu savais qu'il y avait du sucre dans le lait? Ah non, je savais pas qu'il y avait du sucre dans le lait. C'est le lactose ou glucide et il y a 4,6%. Ah non, je savais pas du tout. Qu'est-ce que c'est des protides? Des protides, je sais pas comment ça s'appelle là. Je vais tenter la caséine. Oui, bravo. Oh yes. T'excites pas trop quand même? Non, c'est rare quand je réponds à une bonne question. Donc... Quels sont les éléments minéraux? Je dirais le calcium. Oui, le calcium. Le phosphore, non, c'est ça? Voilà, c'est ça. Dites-moi en commentaire quel est le pourcentage. Et les vitamines? Les vitamines, alors là... Donnez-moi le nom des vitamines en commentaire. Est-ce que tu peux récapituler tous les composants, s'il te plaît? Oui, c'est ça, l'eau. Quel est le rôle de l'eau dans le lait? Un rôle d'hydratation. Oui, mais développe. Hydratation des pâtes, ça dégage de la vapeur aussi pendant la cuisson. Ouais. Oui, c'est ça. Voilà. Et ça peut favoriser la pousse des pâtes, non? Oui, tu vois quand tu veux. Oh, ben, ça va. Ensuite, on a la matière grasse, on a dit. Voilà. Oui. Qu'est-ce que ça pourrait bien faire au sein de... Je dirais qu'elle est là pour faire de la crème, non? Ça? Oui, elle est là aussi pour donner du goût aux préparations et ça aide au foisonnement dans le montage des crèmes. Ensuite... Le lactose, vu que tu m'as parlé de sucre, c'est la saveur sucrée du lait, non? C'est pas ça? Oui, c'est ça. Et est-ce que tu savais qu'elle provoquait la coagulation des caséines? Non, je savais pas. Continue. Ensuite, c'est les caséines, vu que c'est des protéines, ça coagule, non? Oui, ça coagule et on va faire une petite expérience si tu veux bien. Oui, je veux bien. Prends le verre qui est devant toi. Ouais. Avec l'acidité, tu vas voir que la caséine va se coaguler et elle va se séparer de l'eau. Ok, donc... ça dans le lait. Oui, vas-y, mets-le. Alors en fait, si ça coagule, ça va faire du lait caillé, non? C'est ça? Oui, c'est du jus de citron. Ouais, d'accord. J'essaye alors. Mélange-le bien et on regardera à la fin de la vidéo le résultat. Est-ce que tu connais les différentes couleurs de la commercialisation du lait? J'essaye de répondre.
lait entier, c'est rouge, non? C'est ça? Oui, c'est ça. Le rouge, c'est le lait entier. Super. Le bleu, c'est le demi-écrémé? Tout à fait. Le bleu, c'est le lait demi-écrémé. Le vert... Le vert, c'est celui où... écrémé, là où il n'y a pas du tout de crème, quoi, à l'intérieur. Oui, c'est ça, mais du coup, il manque une couleur. Ah bon? Tu ne la connais pas, la dernière couleur? Ah non, 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 je sais pas. On va laisser les gens répondre. Dites-moi en commentaire quel est le lait qu'il manque et sa couleur. Élodie, je te remercie d'avoir participé à cette vidéo. Moi, je veux un petit cadeau. Non, pas de cadeau. Pourquoi? À chaque fois, j'aide, je mets la main à la pâte. Oh là là, mais n'en fais pas tout un fromage. Oui, ben ouais, ok, j'en fais pas tout un fromage. Du coup, je m'en vais, là. Hop, oh ben, non, mais... Je dis au revoir à tout le monde, salut! Oh là là, faut toujours qu'elle fasse ça. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire toutes les questions, répondez à toutes les questions en commentaire. Moi, en dessous, dans la description, je vous mets les réponses à toutes les questions que je vous ai posées dans la vidéo. Dites-moi en commentaire également qu'est-ce que vous souhaitez que je fasse comme prochaine vidéo de ce style. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, de laisser un petit pouce bleu et surtout de partager un maximum. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut !